Ce matin, des ouvriers installaient des étais. Sous la violence de la foudre, le toit s'est effondré, poussant les murs et menaçant tout le bâtiment, un peu comme un château de cartes. L'école de Saint-Castin a été partiellement détruite à moins d'un mois de la rentrée. Tous les panneaux sur les côtés ont bougé, donc la salle est complètement détruite. Toute l'école est détruite aux trois quarts et il faudra tout faire tomber puisqu'il reste un tiers qui tient encore debout mais qui est dangereux. Donc on va tout raser. Les 50 élèves des classes de maternelle et CP vont être relogés dans des bâtiments communaux proches de l'école. Un appel à solidarité a été lancé et les communes environnantes et le département y ont répondu tout de suite pour fournir mobilier et matériel. Passé la stupeur des dégâts, la rentrée pourra se faire dans des conditions normales pour les enfants.